ne t'intéresse pas à lui. Nina. Mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Mon Dieu. Attends. Bien sûr que ça va. Hein? Je vais bien. Je vais bien. C'est juste que j'ai la fièvre. La fièvre. Bien. Maman a l'habitude de dire que quand une femme vomit comme toi, tu vomis là, ça signifie qu'elle est enceinte. Attends, es-tu enceinte? Non. Nena! Ah, où est cette stupide fille? Nena! Qu'est-ce que maman, tu fais? Maman! Tu crois qu'il n'y a rien à faire dans cette maison? Hein, Nena? S'il te plaît, hein, Nena? Dormi dans cet après-midi de chaleur, quand tes égaux sont occupés à travailler et à chercher du bois. J'étais fatiguée, maman. Fatiguée? Tu as dit fatiguée? Fatiguée, en effet. Maman! Mais tu te tais? Parce que ton père n'est pas là. Tu crois que personne ne peut te parler? Hein, Nena? Dis-le, va me chercher un peu de bois. Nena, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien, maman. Pourquoi tu as allé ton ventre? Viens ici. Nena, viens ici. Pourquoi tu as allé ton ventre? Rien, maman. Je dis, viens ici. Rien, maman. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Stupide fille. Tu viendras me trouver ici. Deux jeux.
Débarrasse-moi cette table. Regarde, il se fait tard. Yen n'est pas encore rentré. Quand elle sera fatiguée de rester dehors, elle va revenir à la maison. Où a-t-elle dit qu'elle allait? Non, je ne sais pas. Je l'ai juste parlé, elle a fui dans la forêt. Juste comme ça? Juste comme ça, oh. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette fille. Simplement parce que je ne suis pas sa mère. Est-ce que tu as dit que je ne peux pas lui parler? Ou alors c'est parce que je n'ai pas d'enfant? Bien sûr que non. Je t'ai épousée et tu es sa nouvelle mère. Oh. Même avant le décès de sa mère, elle était entêtée. Attends, elle viendra me trouver ici. Maman Adja. Amaka, bienvenue. Comment ça va? Oui. S'il te plaît, est-ce que tu as vu Nena? Nena, non, un problème. Nous cherchons Nena depuis. Ça, c'est sérieux. Attends, laisse-moi demander à Ada. S'il te plaît, va. Ada? Ada? Oui, maman. Viens. As-tu vu Nena? Nena. Hein? Non, maman. Es-tu sûre que tu n'as pas vu Nena? Je ne l'ai pas vu, je jure que je ne l'ai pas vu. Hé! Hey. Oh! De toute façon, merci. Je dois partir. Nena! 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 Il n'y a aucun espoir de la retrouver. La nuit est sur le point de tomber. Nena! Richard! Nena! Nous avons cherché partout. Mais elle était trouvable. Peut-être qu'elle a été attaquée par une bête sauvage. Après tout, la forêt n'est pas un endroit où on peut rester. Continue à chercher, même s'il faut arriver à Obiaro. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Parce que avant que nous arrivions là-bas, il fera noir. Romy, on continue les recherches. Nena! Nena! Où est cette fille? Où pouvons-nous trouver cette fille? Nena! Hey. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Thank you.
Dieu. Si le soleil se couche sans qu'elle ne soit ici. Non, et quoi si elle ne revient pas? Va. Aucun de mes enfants n'apportera la honte sous mon toit. Tu ne m'as pas dit qui tu étais. D'où viens-tu? Qui sont tes parents? Comment t'es-tu retrouvé dans la forêt? Voyons, parle-moi. Voyons, s'il te plaît, parle-moi. Parle-moi. Comment t'es-tu retrouvé dans la forêt? Oh, non, ne pleure pas, ne pleure plus. Ne pleure plus, ma fille, ne pleure plus. Arrête de pleurer, ok? Bien, je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais je sais que tu as besoin d'aide. Je ne comprends pas. Tu t'es fait donner naissance toi-même? Qui est le géniteur? Où sont tes parents? Non, ne fais pas ça, ça va. Écoute, tout ira bien, ok? J'ai posé de l'eau au feu. Lorsqu'elle sera chaude, tu l'utiliseras pour prendre du pain avec bébé. Ok? Bien, alors, permets-moi d'aller vérifier mes pièges. J'arrive, je vais vérifier mes pièges. Ferons-nous? Attendre ici, elle ira bien, d'accord? Attendez un instant, s'il vous plaît, attendez ici. Je vous reviens dans une minute.
Docteur, est-ce qu'elle va bien? Oui. Elle ira mieux. Nous avons une petite complication et il ne reste plus qu'une seule option, vous voyez. Que voulez-vous dire par là? Nous avons eu un problème. Et ce que veut dire que nous devons procéder à une opération chirurgicale sur le champ. Mon Dieu. Nous voulons votre accord, monsieur, afin que nous puissions continuer. Docteur, comment est-ce qu'elle va? Félicitations. Vous avez des jumeaux. Un garçon et une fille. Jumeaux? Oui, des bébés tellement si beaux. Et merci pour votre patience. Je retourne à mon bureau. Ça va. Félicitations. Oui, merci. Des jumeaux. Mon Dieu. Toutes mes excuses. Des jumeaux. Regarde ta sœur jumelle. Allez, donne-moi ta main. Allez, Gabriel. Allez, regarde ta sœur. Elle est juste là. Regarde ta sœur. Elle est assise et elle est très calme. Écoute, je vais te raconter une histoire. Écoute, il était une fois deux enfants assis près de leur père. Ok, écoute. Et puis l'histoire continue comme ça, et puis ça part. Allez, regarde ce petit dessin. T'as vu? Tu vois? Je me souviens. Tu vas bien? C'est rien. Je vais bien. T'en es sûr? Oui, je vais bien. C'est juste que j'ai une journée. Je vais te chercher quelque chose à boire. Oh non. Ça va aller. Le docteur a dit que tu dois te reposer. Je sais que tu dois le faire. Je t'ai dit que ça allait. Je vais bien. T'as vu ça? C'est très joli. Allez, remets. Mets-le là. C'est une manière d'être très galant. Thank you.
C'est bon, calme-toi. Calme-toi, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Ça va. Oui. Ok. Calme-toi. Calme-toi. Ça va. Ça va. Voilà, ton armée, ton bataillon est présent. Et je pense qu'ils ont faim. Et ils ne vont pas partir d'ici sans que tu ne leur donnes à manger. Non. Non. Pardon? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laissez-moi. 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 Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Chérie, demain matin, j'irai en voyage. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, ne fais pas de ça comme si je t'ai abandonné. Mais c'est exactement ce que tu fais. Tu sais bien que c'est la nature de mon travail. Et je dois voyager pour nous faire gagner un peu d'argent. Je ne suis pas contre le fait que tu ailles chercher de l'argent. C'est juste que... prendre soin de ses enfants toute seule, c'est tellement pénible. Je suis au courant. Je sais. Surveiller un tandis que l'autre est libre, c'est un gros travail. Mais ma chère, tu es largement forte comparée à eux. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas. Ah. Écoutez, je vous verrai à mon retour. D'accord, papa. Au revoir, papa. Il y a quoi à refaire? Oh. Bye. N'oublie pas surtout de me garder quelque chose. T'inquiète pas, c'est promis. Bye bye. Atikmola, appelle-moi chèvre. C-H-E-V-R-E.
Applaudissez pour lui. Dami Mola, appelle-moi Kaye. C-A-H-I-E-L. Applaudissez pour elle. Oyinye. Oui, madame. Appelle télévision. T-E-L. Elle est quoi? Appelle télévision. Oyinye, voici comment on l'appelle. T-E-L-E-V-I-S-I-O-N. T-E-L-E-V-I-S-I-O-N. Bien, c'est très intéressant. Applaudissez pour elle. Merci, Onyeka. Tu sais, je ne pouvais pas permettre que tu rates ça. Tangot. Oui, madame. Appelle Chaise. C-H-A-I-S-E. Applaudissez pour lui. Onyeka. Efface le tableau. Onyeka, va t'asseoir. Maintenant, prenez cet exercice. Je vais le corriger demain dès mon arrivée. Tu es têtu. Je suis là maintenant et je veux la justice. Oui, mais c'est mauvais, non? Quitte devant moi avant que je ne te gifle. Si tu essayes de la toucher, je vais te casser tes dents.
Attrape alors. Hey, que tu vas réessayer. Caches-tu, non? Tu es en train de dormir à ce moment-là. Tu sais que papa, même puisqu'il ne t'aime, tu vois, non? Il est venu, il m'a dit de ne pas te réveiller. Bleur. Ok, maintenant. Ok, qu'allons-nous faire maintenant? Ok, allons chez Andy. Allons chez Andy. Je ne pars pas là-bas. Où veux-tu qu'on aille, non? Allons plutôt chez Tioma. Chez Tioma, hein? Je sais. Que tu mets ton ami. Ah, va là-bas. Ça fait cela. Elle est sans cœur. Je la déteste. Et je vais lui faire vivre l'enfer pour ça. Mais elle devait avoir ses raisons. Oui. Onyeka! Onyinyi, vous ne vous lavez plus? Lève-toi et allons lui donner une leçon. Thank you.
Ando, comment tu vas? Bien. Ah. Je te l'ai dit. Désolé, chien. Assieds-vous. Quand tu as oublié? Ah, oublié? Quoi? Papa! Kati. Joyeux anniversaire! Ne les ouvrez pas encore. Vous attendrez votre mère enfin que on soit tous en famille lorsque vous allez ouvrir vos cadeaux. Mais papa, papa. Mais c'est un jour très spécial, souvenez-vous. Mais je voudrais aller à la plage. Je vous ai fait une promesse, n'est-ce pas? Ah, allez vous changer. Allez, allez, allez. Boum, 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 boum. Ma chérie, j'espère que tu es prête. Partir en tant que famille pour prendre des photos. Tu peux partir. Je pense pas être d'humeur. Ma chérie, les enfants ont besoin de ta présence. Et les bons souvenirs s'en sortent. Amusant. C'est stupide, hein? C'est bizarre, c'est pas... Regarde, ça me fait quand même mal qu'un gars se comporte comme ça. Je pense qu'il n'est pas, il ne comprend pas. Ça me rappelle quelque chose. As-tu vu Tinuke quand elle est venue ce matin? Tinuke? Oui. Pour l'amour du ciel, cette fille doit me laisser tranquille. Je ne l'aime pas. Mais elle t'aime. Hein? Alors, c'est son problème. Ah, relâche-toi, écoute. Tu sais que Tinuke est une belle fille. Oui. N'importe quel gars va faire n'importe quoi pour l'avoir, hein? Même si c'est pour une seule nuit. Alors, qu'est-ce que tu attends? N'es-tu pas aussi un homme? Tu sais que je le suis, mais... Donc, Alex, tu veux dire quoi? Mais quoi? Elle est ta copine et non la mienne. Qui est la tienne, Alex? Dis-moi. Oh, qui est la tienne, Alex? Parle, non? Je vais donner mon foie si un jour Onyinye accepte de sortir avec moi. Alex, tu veux déjà mourir? Hein? N'essaie même pas d'y penser. Ma soeur n'est pas pour toi, ok? Ah, mais c'est seulement... Hey, au nom de l'éternel, laisse-moi te dire. Hein? N'essaie même pas. Et puis ne prononce plus jamais le nom de ma soeur. Même dans l'une de nos conversations. As-tu pillé? Putain. Vraiment? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est quoi? C'est l'invitation pour une fête. Ah, qui invite? Marcus. Marcus? Le gars en sociologie. Elohim. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ounye, tu es soudainement devenu froid. Moi? Ça va, je vais bien. Ah, c'est non, tranquille. Non. Tu ne l'es pas. Je vais bien. Non, tu pourrais dire ça à d'autres personnes et ils pourront te croire. Ounye, quel est le problème? Tu vois, Ounye, c'est comme si nous commençons à oublier le but précis de notre mission ici. Mais notre mission ne doit pas nous empêcher d'avoir une vie normale. Une vie normale? Qu'y a-t-il de normal dans une fête? Y a quoi de normal à propos d'un monde de vanité? L'existence en elle-même est une vanité, alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'amuser, juste un petit peu. Oh Nini, pour l'amour de Dieu,
Se livrer juste un peu, c'est comme le cancer, ça grandit. Nous ne sommes pas comme Mike, Trisha, Marcus, tu les connais. Nous sommes de conceptions différentes. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Ounye, je comprends. Je comprends. Je pense que nous devions lui donner une autre chance, je pense. La chance pour qu'elle nous tue une fois de plus, Onigné. Elle l'a fait une fois. Mais maintenant, nous allons lui donner ce qu'elle mérite. Onyeka, c'est... Pas de compromis. Pourquoi est-ce que vous vous discutez? Nous ne discutons pas. Mais j'ai entendu vos voix. Et de quoi je me mêle? Nika. Ça, c'est mon nom. Onyeka, c'est bon. Ça ne l'est pas, ça ne va pas. Elle sait très bien qu'elle ne nous aime pas. Pourquoi le prétexte? Mais de quoi? Maman. Fais-le maintenant, non? Je ne veux pas monter. Pourquoi? J'ai peur. Oh, viens d'abord. Onyeka, ça ne va pas te manger. Ça Onyeka. Onyeka, hein? Fais attention. Ok, d'accord, papa. Je vais juste la faire monter à cheval. Non, 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 non. Il n'y a pas de quoi avoir peur, papa. Ça va aller. Ok, faites attention à vous. Ok, papa. Oh, essaye. Je ne peux pas. Essaye, non? Toute seule. Ok. Mets ton pied ici. Ok, maintenant... On soulève. Oh, attends, non. Ah. Bien. Oni, au revoir. Onyeka! 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 Onyeka!
Onyeka. 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 Appelez un docteur. Appelez un docteur. Maintenant que ceci est arrivé, vas-tu mettre un terme à ta vie? Je sais que tu l'aimais, et moi aussi je l'aimais. Mais est-ce que c'est ce décret d'amour qui va le faire revivre? C'est comme un rêve. J'ai vu mon fils mourir. Et je n'ai rien pu faire pour l'aider. Écoute, Wanso, tu ne peux pas continuer à te blâmer. C'est terminé pour Nancy, tu l'as perdu. Je le vois toujours. Je le vois toujours dans mes rêves. Il est toujours dans mes pensées. Il va toujours être dans ton esprit si tu le dis. Une mère n'oublie jamais la douleur. L'enfantement. Comment Onyeka l'a-t-il pris? Mal. Vraiment très mal. Elle est inconsolable tous ces jours. Parfois, je le ressens. C'est comme une obsession. Ça pourrait être une possession. Je ne sais réellement pas. Les jumeaux sont les siamois, toujours ensemble. Ils sont inséparables. Si un s'en va, le deuxième suivra. J'en sais rien. Je me sens tellement seule. Il me manque. Je sais. Il me manque tellement. Nous aussi. Il nous manque tous.
Oui. Le sang. Le sang. Quoi? Le sang. Où ça? Le sang. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Ici. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Oni. 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 Oni, c'est moi. C'est moi, Onyeka. Oh, Oni. 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 Oni, c'est moi. Est-ce que tu me vois? Je peux même t'entendre. Oh, c'est merveilleux. Tu dors paisiblement comme un enfant. Mais tu es mort. La mort est relative. Mourir, c'est vivre. Vivre, c'est mourir. Tout est dans ton cœur. Onyeka, hein? Hein? N'aie pas peur. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu se produire. Oni, mon enveloppe charnelle est morte. Mais mon âme ne le peut pas. Nous la partageons. Et dans une union, ça doit finalement rester en paix. Souviens-toi de la promesse qu'on s'est faite. Je ne vais jamais t'abandonner. Oni, mais tu l'as fait. Mais je suis ici. Et rien n'a changé. Non, ce n'est pas possible. Oni, pourquoi?
Rien ne peut m'arrêter. Souviens-toi, comme nous sommes scellés dans l'unité des unités, nous ne pouvons pas nous séparer de cela. Onyeka. Souviens-toi, ensemble nous sommes venus, ainsi ensemble nous devons partir. Mais tu dois m'aider à compléter le cercle. Je ne comprends pas. Oni. Nous sommes une seule âme dans deux corps. Souviens-toi. Un seul reste fort, mais deux ensemble font une force. Tu ne me verras pas si tu ne sens rien. Et réaliser quoi que ce soit tout seul serait stupide. S'il te plaît, aide-moi. Mais comment? C'est simple. Laisse ton cœur suivre le mien. Mes rêves, ta réalité, et ensemble, nous restons inséparables. Onye, je me sens tellement seule. Onye, sans toi. Je suis là maintenant, et tu n'auras plus jamais à t'en faire. Je te le promets. Onye, à qui est-ce que tu parles? Je sais. Ne t'inquiète pas, elle ne me voit pas. Que se passe-t-il? Es-tu sûr que tout va bien? Oui, oui, maman. Répands-toi de tes péchés, répands-toi de tes péchés. Un jour, on t'a vu échanger. Nous? Nous sommes dans la même classe et on ne t'a jamais vu parler. Tu n'as même pas d'amis. Vraiment? Tu sais, tu es trop réservée. Bien, tu t'attends pas à ce que je parle à tout le monde. Mais tu ne parles même à personne. Mais je parle avec lui. Parce que je me suis bien préparée pour cette tentative. Bien, je m'appelle... Ben. Comment t'as su ça? Le fait que je ne parle pas à tout le monde ne signifie pas que je ne connais pas le nom. Je le constate. Que sais-tu d'autre? Bien, je sais que je m'en vais. Peux-je t'accompagner à la maison?
et je serai la première personne à monter sur le mont Everest. N'essaye même pas d'y penser. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Rien. Dors. Bon après-midi, maman. 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 Mais qu'est-ce qui me va pour le juste?
J'ai entendu ce que vous aviez dit. S'il vous plaît, vous deviez m'aider. Hein? Dites-moi quoi faire. Madame, j'ai entendu tout ce que vous dites. Mais ne vous inquiétez pas. Le bon Dieu résoudra tous vos problèmes. Amen. Mais vous devez revenir demain pour les prières. Hmm? Oui. Et quand vous venez, venez avec une bouteille d'huile d'olive. 7 bougies. D'accord, d'accord, je vous ai entendu. Je vous attendrai demain. Merci beaucoup. Hein? Pas de problème. S'il vous plaît, continuez de prier pour moi. Le bon Dieu sera avec vous. Ne vous inquiétez pas, quand vous êtes venu ici, tous vos problèmes sont résolus. Merci beaucoup. Okay. Merci, bonne nuit. Oni, dans le jeu de la vie, juste ne peut jamais être juste. J'ai cru entendre des voix. Je parlais toute seule. Et qu'est-ce que mon ange adoré se disait qu'elle ne pourrait dire à son père? Ah, c'est un petit ami. Papa! C'est sans souci, tu en as l'âge. À 22 ans, ta mère t'avait déjà. Navré de te décevoir, il ne s'agit pas de mon petit ami. Vois-tu, je peux comprendre et être étonné de ce que c'est le changement et comment les gens changent. Ils changent. On dira que c'était hier. Hier. Ça ira. Ça ira. Je le sais. Papa, je suis toujours ta petite fille. Oui, toujours. Tu seras toujours ma petite fille. Alléluia. 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 Jéhovah. 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 Eli. Eli. Si. Ça. 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 Si. Madame, le Seigneur vient de me révéler que la colère de votre défunt fils jumeau est après vous. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais qu'ai-je fait? Hein? S'il vous plaît, que puis-je faire? Que puis-je faire maintenant? Vous devez l'arrêter avant qu'il vous gagne. Rappelez-vous, les jumeaux sont simplement une âme dans deux corps. Faites attention. Ils sont d'après votre vie. Thank you.
Onye, écoute, il y a un danger qui court, il y a un danger tout autour, il y a un danger qui s'annonce. Onyeka, je pense que tu t'inquiètes trop, il y a le danger partout. Onye, celui-ci est différent, elle prévoit te tuer dès qu'elle le peut. Onyeka, je pense que tu es âgé, pourquoi ne te calmerais-tu pas? Onye, écoute, je ne peux pas, je ne peux pas. Mon âme est agitée et elle ne peut jamais me tromper. Je sais, et je peux prendre soin de moi-même, d'accord? Madouette. Oui, madame. Où es-tu? Je suis là. Prends ce plateau et va déposer cette eau. Onyinye. Oui, maman. Maman, tu m'as appelé. Ah. Merci, ma chérie. Merci. Ah. Délicieux. Béni ce repas au Seigneur pour l'amour du Christ. Amen. Tu as fait ça? Qu'ai-je fait? Rien, je vais nettoyer. Écoute, je te l'ai dit avant, elle veut te tuer. Et tu veux que je croie en cela? Écoute, Oni, je te l'ai dit avant que nous n'arrivions. Nous sommes ici pour une mission. Onyeka, ma mission c'est de me stabiliser un jour et d'avoir mes enfants. Tu ne comprends pas ça? Quoi? Est-ce que la raison pour laquelle nous sommes venus dans ces conditions? Elle m'a rien fait, Onyeka. C'est vrai qu'elle ne m'aime pas, mais j'aime toujours papa. Et si je devrais agir comme tu le souhaites, ça le tuera. Onyeka, tu sais bien que papa n'est qu'un homme innocent. Je m'en fous! Bien, moi aussi. Veux-tu me faire comprendre que je suis tout seul?
Non. 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 Salis mon nom dans ce village. Réfléchis encore mieux. Tu as oublié que je suis l'ami de ton père? Mais tu m'as donné... Si tu dis à l'époque que je suis le responsable, je jure, je vais te tuer. Maintenant, va-t'en de chez moi. J'ai dit, va-t'en de chez moi. Va-t'en de chez moi. Attends-moi là-bas. Je devais le faire. Sinon, personne ne m'aurait laissé tranquille. Ça allait être une honte pour mes parents. Je suis allé au village pour avoir une bonne épouse. Peut-être une vierge s'il était possible. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Je suis désolée. Je suis très désolée. Je dois d'abord mettre ma fille en sécurité. Maintenant! C'est elle qui me reste. Et quand je reviendrai, je saurai quoi faire de toi. S'il te plaît, pardon. Pardonne-moi. Monsieur, nous avons fait tout notre possible, mais nous n'avons absolument rien trouvé de mal. Le bon Seigneur fera son propre miracle. S'il vous plaît, excusez-moi, je reviens dans un moment. Merci, docteur.
cette merde. Si elle meurt. Si elle meurt. Je pâlis de la faim. Je n'ai pas envie de vivre. Je vais mourir. Je vais mourir. Le secret de mon passé me consume. Ma méchanceté a tout pris autour de moi. Je veux partir. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Va. Ma fille est guérie. Ognier. Ognier. Parle-moi. Papa. Parle-moi. Parle-moi, je suis là. Papa est là. Parle-moi. Maman. S'il te plaît. Oh, Ognier. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Va te pardonner maintenant. Maman, je te pardonne. Je t'aime, maman. Papa. Tu iras bien. Tu iras bien. Tu sortiras d'ici bientôt. Forte et en bonne santé. Papa. Je suis désolée, papa. Mais pourquoi? Maman. Je suis désolée, maman. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Ognier. 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 Attendez, monsieur, excusez-moi, excusez-moi. Docteur, parlez-moi. Docteur, j'ai dit, parlez-moi. Monsieur, nous l'avons perdu. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas possible. Calmez-vous, je vous en prie. Essayez de vous calmer, d'accord? Calmez-vous. Je suis ici. Je sais. C'est pas possible.